Merci de me rejoindre sur la chaîne The Kyle TV. Alors là, je suis sur San Andreas PlayStation 2. Alors, pour ceux qui me posent souvent la question, oui, je filme en fait avec un caméscope. Et c'est vrai que vous vous faites souvent avoir en me demandant quel boîtier tu utilises. Eh ben non, pauvre, comme vous pouvez le constater, on est en direct sur The Kyle TV. Je trouve que c'est peut-être pas plus propre, mais beaucoup plus familial. Voilà, je suis avec vous et je vais vous parler aujourd'hui de la communauté dans laquelle je me trouve sur Facebook. Donc c'est la communauté de YouTubeurs. L'administrateur c'est GameX13. Et je tiens à faire un gros big up à lui, GameX13, qui doit maintenir sa communauté de plus de 7000, 10 000 personnes. C'est un truc de fou. On va baisser la musique s'il vous plaît. Et voilà, donc un truc de fou, il a une communauté à gérer. Et moi je le soutiens vraiment. Et dès que je vois quelque chose d'anormal sur sa communauté, donc le soir ou la nuit, je le signale et j'essaie de lui faire parvenir un message par les commentaires, tout ça. Donc la communauté GameX13 est vraiment une communauté à respecter. Donc s'il vous plaît, arrêtez les insultes et tout. Voilà. Alors croyez-moi pas ou quoi. Franchement, j'ai fait triangle, triangle, carré, rond, croix, L1, L1, bas, haut. Et c'est un code, je vous jure, depuis toutes ces années, je ne l'ai jamais oublié. C'est comme le jetpack, je vais essayer de le faire. Oh, j'ai réussi! Oh là là! Et je vous promets, j'ai pas été sur Internet pour me rappeler des codes. Le code de l'avion, le code jetpack, le code argent, le code arme, les trois modes d'armes. Je les connais de tête depuis des années et je vous dis, j'ai pas rejoué à San Andreas. Alors c'est parti, on va délirer. Que la vidéo commence, allez c'est parti. Donc je vais commencer avec l'avion que je suis pas monté dedans depuis des années. Alors je sais qu'il vole sur place au début et que c'est assez galère. Bon, on va se choisir une bonne musique. Bon, déjà pour décoller c'est croix, ouais ok. Allez, rentre les roues, l'analogique R1, l'analogique R3, voilà. Oh, c'est nickel. Oh là là. Eh, il est vraiment plus stable que celui de GTA 5, hein, je vous jure. Pour avancer, je crois, voilà, c'est l'analogique vers l'avant. Oh, rentre les roues. Vas-y, accélère. Oh, on est parti, ça y est, on est parti. Oh, putain. Oh, oh c'est trop cool. Franchement, ça fait trop longtemps. Ah, c'est excellent. Là, je suis en train de revenir. Je suis en train de m'approcher de l'aéroport et je me rappelle plus du tout à quoi il ressemble. Je découvre, en fait. Je redécouvre. Franchement, là, j'ai l'écran. Elle est moche. Hein. L'image, j'ai vraiment une sale image comparée au GTA qu'on a connu bien après. Ben, ça reste quand même le meilleur. Franchement, je sais pas si je peux sauter en parachute. What? Oh, je sais, je vais sauter en parachute, c'est obligé. Oh, jetpack, je sais pas si ça marche. Faut que je fasse le code. Oh, je sais même pas pourquoi. Oh, d'accord, j'ai survolé le... Oh, putain, non. Jetpack, allez, code activé. Oh, je suis dégoûté, ouais. Bon, j'ai pas encore trouvé de joli véhicule. Oh, le son va se taire, s'il te plaît. Et en plus, bon, on va changer. Alors. Oh, ça, c'est Rage Against the Machine. Oh. Je me rappelais même plus qu'il y avait cette chanson dessus, j'adore. Franchement. La femme qui me demande des services. Quoi? Mais elle m'a mis dans le vent. Mais attends, tu vas monter quand même. Attends. Comment on fait déjà? Faut klaxonner, je crois. Tu veux prendre du bon temps, chérie? Vas-y, propose. Elle veut plus. Oh là là, je suis comme un con devant une prostituée qui veut même pas de moi. J'hallucine. Oh là là. J'ai une étoile. Oh, je vais pas commencer comme ça, non. What? Oh, excuse-moi. Oh la femme. Oh là là. Bon, on peut remarquer que les gens sont assez, assez, franchement, violents sur ce jeu. Je sais même pas pourquoi. What the fuck? Mais qui c'est? C'est une femme? C'est un mec? Oh, c'est une femme. Je vois qu'elle a des mamelles. Mais dégage! What? Attends, je mets du son. Allez, c'est parti. Ah, mais comment tu tires? Mais c'est un truc de fou. Alors, je vais faire un atterrissage sur la route parce que mon avion, vraiment, il a du mal. Alors, je tire un peu des missiles, c'est normal. C'est juste pour sortir les roues, quoi. Oh, oh, mais non, on tire pas de missiles. Oh là là, est-ce que je peux atterrir? What? Oh, oh putain, faut que j'atterrisse, ça atterrit. Oh, ouais, je veux pas crever, je veux pas crever. Oh, le calme. Vous entendez?
n'y a plus de bruit. La voiture, quand elle passe, elle fait tut 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 tut. La moto, elle fait. À peine, tu vois, elle fait pas de bruit, tu vois. La moto, elle fait pas de bruit. Arrête, moi, je prends une moto, je les écrase tous. What the fuck? Et l'autre avec son avion, là. Mais vas-y, mais c'est quoi cette partie? En fait, il y a tous les véhicules, on prend ce qu'on veut, on doit se tuer, c'est le bordel, c'est. Moi, j'ai compris, en fait. Oh, je vais prendre un véhicule, je vais me barrer loin. Oui! Je peux me barrer! Oh, j'ai pris une moto, les gars, je me casse. Quoi? Oh, merde, on peut pas partir. Mais qu'est-ce que c'est, ce délire? Oh là là! Mais le gars avec sa voiture. Oh, oui, oui, oui! Vas-y! Vas-y! Crame!